Bonjour, c'est Ubucraft pour le 22e épisode de Uberly Ubu. Oui, le 22e, ça n'est pas une erreur, je vous avais laissé au 20e épisode et j'ai bien tourné le 21e, malheureusement il y a eu un problème technique et il n'y a pas de son. Alors c'est assez embêtant pour le contexte précis de la série, puisque c'était un épisode assez long qui faisait, je crois, près d'une heure et où j'ai fait pas mal de choses. Donc je vais vous résumer ça. Je suis toujours dans le même abri. Je m'étais un petit peu équipé, une petite couche pour dormir. Bon, il y a un bug de texture sur ce four, vous le voyez comme moi. On va l'ignorer tout simplement. Hein, j'avais un petit peu creusé également. Et surtout à l'extérieur, j'avais fait un enclos pour sauvegarder donc les bisons et j'avais réussi à en faire reproduire. Donc ça c'est fait. Je vous avais montré un petit peu toute l'étendue de l'alchimie en me faisant un sceptre de la flore, un bâton de flore qui permet d'être une espèce de bonne mille illimitée. Sauf que il y a un bug dans cette version et que si j'utilise sur du blé, ça fonctionne mais il disparaît alors qu'il a 10 000 utilisations, c'est-à-dire quasiment infini. Je me suis fait un petit sac. En plus du sac que vous voyez là, j'ai un small camping bag, un petit sac de camping qui me permet d'ajouter un petit peu de choses. Je me suis fait donc du matériel pour le camping et donc j'ai récupéré effectivement de la poudre rouge, de la redstone et donc j'ai pu avoir accès à la poudre magique et à toute l'alchimie. Je me suis fait donc un cristal de feu donc durci qui me permet d'avoir de la lave illimitée. Je vous montre. Et de la poudre de lave, avec de la poudre de pierre. Donc on met un seau et on a un seau rempli de lave. C'est génial. Ça convertit également nativement le bois en charbon, plus besoin de le faire cuire. Et je peux même avoir éventuellement de la netherwort, ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Donc ça c'est dit. Et ben écoutez, si je ne m'abuse, c'est la nuit. Donc on va déjà passer la nuit proprement dit. Je vérifie, voilà, j'avais quelque chose. Et on va construire un espèce de petit repère, refuge, avant de poursuivre notre chemin. J'ai pas encore décidé si on rentrerait ou si on continuerait. Alors pour l'instant, on va dormir déjà. Et on se retrouve au petit jour. Voilà, une bonne nuit de passée. Donc là, j'ai mis de la lave, donc vous voyez que j'ai plein de feu pour longtemps. Je récupère d'ailleurs mes bouteilles, c'est très très pratique. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, et on va sortir, avec un petit peu de prudence quand même, mon épée à la main. Voilà, il y a des loups-garous. Ouais, c'est bon, le son est bon, il est assez fort dans mon casque, vous n'en profitez toujours pas, je n'ai pas de solution technique, et je n'en cherche plus, j'ai à peu près la conviction maintenant qu'il n'y en a pas actuellement, pour mon niveau de compétence. Voilà, et on va relativiser. Du fait que, bon voilà, je ne suis pas non plus un informaticien, j'ai quelques prédispositions. C'est hyper fort, je m'entends même plus parler. J'ai quelques prédispositions en la matière, mais voilà quoi, pas plus. C'est de l'amateurisme, je suis autodidacte en tout ce qui est informatique. Donc ça va pas forcément hyper loin. Des choses qui m'intéressent et je me forme, et des choses qui ne m'intéressent pas que j'ignore royalement. Genre le montage audio-vidéo, c'est pas un truc qui m'intéresse. Peut-être à tort, hein. Peut-être que quelqu'un de doué me montrera un jour et je dirai ah oui, c'est génial, ça m'intéresse. Pour l'instant, non. Donc on va voir nos bisons, effectivement. Donc il y a deux adultes et probablement encore un jeune. Alors les deux adultes, bon, bah, c'est difficile de les louper vu la taille des bestiaux. Et voilà notre jeune qui est là. Ok, donc on va commencer un abri et il va falloir trouver où. Alors, il n'y a pas énormément de place. Je ne vais pas le mettre bien entendu là où il y a mon abri. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Là, c'est un peu compliqué. Je pourrais le mettre là éventuellement. Est-ce qu'il y a assez de place? Oui, il y a assez de place, mais écoutez, on va le mettre là. Je vais piocher un petit peu pour me débarrasser de tout ça. J'ai déjà plus de pioche. Ah. Fichtre. Je vais. Non, 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 j'en ai plus. Bon, bah, on va en refaire une, hein. Qu'à cela ne tienne. Une pioche en pierre basique. J'ai repris ma souris qui fait du bruit parce que l'autre est vraiment inréglable. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sensible. Et pourtant, j'ai bien essayé. Donc, bon, c'est tout, hein.
Allez. Alors, bah, je vais piocher ça. Encore de la pierre rouge dont je ne veux pas. Bon, on va faire un truc. Je n'ai pas encore trop réfléchi. J'aurais bien voulu faire un truc en laine, tout bête. Mais j'ai pas de laine, hein, donc forcément, on n'en fera pas. Voilà. Donc j'ai trouvé la fleur rouge manquante. Je vous montre une nouvelle fois donc dans le petit sac que j'ai pu faire avec l'outil qui est donc l'outil de campeur. Alors si je rouvre et je ferme le sac, c'est parce qu'il y a un petit bug et que sinon effectivement il ne prend pas les changements. Voilà la preuve. Vous voyez que j'ai récupéré automatiquement. Il faut le faire plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que c'est un bug soit. Oh c'est joli. Soit d'incompatibilité de tous les modes que j'ai, parce qu'il y en a quand même un paquet, hein, je vous le rappelle. Soit inhérent à la version du mode et qui sera corrigé, un de ces quatre, au bon vouloir du développeur, qui nous fait déjà l'extrême habilité de nous faire partager son formidable boulot. Voilà, donc il va falloir qu'on ait vu. On récolte des graines avec les machins là, tiens. Je pensais que non, je voyais ça comme des herbes mortes. Et je pensais qu'on n'en récoltait rien, que c'est vraiment déco. Bon, bah tant mieux. Oup, 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 oup. Voilà. Et là, on a une surface largement suffisante. Alors, qu'est-ce que j'ai comme matos? Bon, bah, j'ai de la pierre rouge. Je me demande si je peux pas la faire cuire ou un truc comme ça. Je ferais bien un truc. Zut, mon abri est là-bas. C'est fâcheux. C'est fâcheux, c'est fâcheux. Donc, il faut que j'accole plus du coup de pierre rouge. Ouais, voilà, je vais faire de la pierre rouge et du bois. Ouais. J'ai vaguement une idée de ce que je vais faire. Je sais pas si j'aurai le temps par contre de le faire dans cet épisode. On va essayer de se dépêcher pour faire en sorte que j'en ai 36. On va aller à 40. Voilà, et on va se dépêcher de faire cuire tout ça. Est-ce que mon thé est prêt? Alors il y a un petit bug en plus. Le thé, je peux faire du thé, je peux pas le faire chauffer. Je suis malheureux. Donc ce que je ferai éventuellement, bon vraiment c'est pour dire que. Est-ce que déjà je vais pouvoir le récolter? Oui, exact. Alors on va tout de suite le replanter. Corn, cabbage, tea. Voilà, bah, j'en ai deux. Toc. C'est que je ferai le thé. Et du moment que j'ai un four, que j'ai de quoi le faire cuire, je ferai comme si. Je passerai en game mode et je me donnerai le thé cuit. Voilà. Pour le principe de boire du thé. Bon. Après, voilà, c'est pas crucial. Je le ferai pour le fun. Et voilà. Alors, donc, on va faire cuire. Et eh ben déjà, je vais prendre mon seau de lave. Donc ça se passe par là. Je prends le cristal, je prends le seau vide. Un suffira. Hop. Ah oui, vous voyez, ça marche pas. Hein. C'est le petit bug de ce mode. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors normalement, ça va être bon. Donc là, j'ai largement de quoi cuire tout ce que je veux. Ouais, ça cuit. Je récupère tout de suite le seau. Et je me demande. Oui, j'en ai d'autres. Bah écoutez. On va le faire cuire. Peut-être pas tout. Voilà, ouais. On va mettre déjà 64 à cuire. Je pense que ça suffira. On va reposer ça. En matière de bois, j'ai pas grand-chose. Il va probablement falloir que je fasse du bois. Alors, faire du bois, c'est pas magique. C'est avec des pousses. Donc voilà, j'ai de la terre. Et bien entendu, j'ai un outil indispensable. Ça, démonstration. Je vais pas m'embêter pour faire. Ah, non, j'avais une autre manière de faire, mais c'est un peu compliqué. Je vais arrêter un peu avec l'alchimie. Donc, on va se faire. Voilà, un cube de plantation ici. Voilà, on va en mettre deux. Ce sera plus simple. Je vais pas m'amuser à récolter. Bon, il sera là. Voilà. Hop, je prends mon bâton. J'ai ma hache, c'est très bien. Et voilà, un arbre, deux arbres. Alors, ça coûtait pas mal de matos hein, de faire cet outil superbe. Donc, c'est cheaté, oui et non. Ça m'a mis tout. Ah, bah, c'est vrai que j'avais ce mode-là. Ça m'a mis tout l'épisode quand même pour réussir à manier l'alchimie et arriver à ce résultat. Hein. Donc, c'est pas gratuit. Je l'ai pas sorti du mode créatif. Je l'ai fait. J'ai dû faire cuire plein d'ingrédients différents. Je crois quasiment une dizaine, si je me rappelle. Donc voilà, la magie a un prix. Mais maintenant je suis puissant. Alors en plus, il s'épuise, mais il n'est pas tout à fait infini.
Voilà, donc j'école des pouces qui seront pour la postérité ou je sais pas quoi. Voilà, alors c'est sûr que maintenant, le bois, théoriquement, je n'en manque plus jamais. C'est sûr. Voilà, on va laisser ça là et donner une chance de pousser spontanément. Le blé ne pousse pas et je ne vais pas l'aider. Bon non, j'ai rien de plus à faire. Non, ouais, là ça va pas marcher. Ok, alors on va aller voir notre cuisson. J'aurai pas tout, mais ça aura déjà un petit peu avancé. Alors des pousses en trop. Là, les graines c'est pareil, hein. Voilà, les graines on les éjecte. Le thé, ben je verrai un petit peu plus tard. La poudre de machin. Ouais, voilà. C'est pas mal. Cobblestone powder, allez, ça je garde. On va ranger à nouveau. Donc voilà, le seau aussi. Et je sais plus ce qu'on pourrait ranger. Bon ben des bûches on en a. Ah, on avait encore du bois compressé. Bon, bah tant pis. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui devient? Eh ben ça cuit, ça cuit. Alors, Red Rock, je pense pouvoir en faire autre chose. Voilà, il me semblait bien que je pouvais faire de la brique. C'est ça qui m'intéresse. On va voir, ça devrait être joli. On va voir, hein. Et on était là, donc je vais poser les bases. Il faut que je décide rapidement de la forme globale du truc. Donc c'était... Oui, voilà, c'était là, effectivement. Donc tourner vers là. Comment je vais faire là? On va faire une petite entrée. 1, 2... Attendez que je vérifie, ce serait là. Ensuite, on va faire un petit truc en biais, va faire vaguement arrondi, hein, ce sera très vaguement. Je vais mettre là pour voir. Ensuite, donc là, ça part en biais, je dirais encore en biais, mais un peu moins. Et là, voilà, là sera définitif. Deux, voilà, et puis là on fait un truc bêtement carré. Je sais pas ce que ça va donner, hein. C'est vraiment de la totale impro. 1, 2, donc là après 2, et là, ouf, tout juste. Oui, j'avais moitié bien calculé, moitié pas. Voilà, donc on n'aura pas le temps de finir là. On va remettre, on met du bois ou là on va remettre de la pierre. Et on finira ça demain, les amis. Alors quand je dis demain, c'est dans le jeu. On va rester sur l'épisode. Oui, encore quelques minutes. Je commencerai de bon matin et on se lâchera en cours de route. Je pense que le son a foiré parce que l'épisode était trop long et que j'ai saturé la mémoire vive. C'est donc plus ou moins un bug, plus ou moins pas. Faut savoir que donc mon programme de vidéo pour sortir un petit peu de l'épisode encode à la volée. Hein, donc ça lui demande pas mal de ressources quand même. Donc là, c'est-à-dire que là, c'est en train d'encoder. Hein, donc vous voyez, je me débrouille quand même plus trop bien parce que c'est fluide. Mais bon, il y a des limites quoi. Donc sur les épisodes d'une heure, bon bah je l'ai fait pas volontairement parce que je me suis laissé totalement emporter par le jeu. Mais c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Voilà, on pionce et il me faudra des barrières. Tiens, ouais, je vais faire comme ça. J'ai vu un petit truc, je vais reproduire un truc que j'avais vu. Hein. Je suis pas un maître apprenti. Je lui raconte n'importe quoi, un maître apprenti, non. Je suis pas un maître designer. Tiens, il me semblait que ça. Non, bah ça marchait pas. On va faire donc moult bâtons, voilà. Donc j'ai pas de barrière là-dedans non plus. Et voilà, donc on va en faire. Voilà, ça devrait, je pense, suffire. Alors, est-ce qu'on peut encore cuire quelque chose? Oui. Bon, c'est pas la folie, mais on pourrait déjà faire 2-3 choses comme ça. Alors, je pense pas que des monstres soient apparus. Non, parce que je me suis endormi. Et juste avant la nuit profonde. Alors, bah du coup, en dernier,
Voilà, donc là, il en faudra plus du coup. Ouch. Non, c'est bon, je me suis pas fait mal. Ouais, on va faire comme ça. Ensuite, on va faire de 2. Et puis après, je sais pas, on va pas forcément mettre. Et j'ai presque envie d'ailleurs de récupérer. Ouais, vous savez quoi? On va peut-être déjà passer. Voilà, ça. On va récupérer le coin pour faire un espèce de petit arrondi, hein, tout simplement. Bah, celui-là aussi, du coup. Ça sert à rien de le faire. Puis accessoirement, ça nous fait. Ça reste dans la logique du truc. Et ça nous fait récupérer ben, 3 pierres. Hein. C'est pas la folie. J'arriverai pas au bout. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Génial, regardez ça. Bon, alors ensuite en haut, qu'est-ce que je vais mettre? Alors déjà, mes barrières, elles étaient pour ici. Donc ça va être très simple. Voilà, c'est un petit campement tout à fait ouvert. Voilà, je trouvais ça sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors on va finir le reste, qui va être en bois. Alors, ben, le bois, ça dépend. J'en ai plusieurs sortes. J'ai celui-là qui est assez foncé. Et j'ai celui-là. Ah, ben, j'hésite. Je ne sais pas. Ben, écoutez, on va essayer déjà avec 4 planches de celui-là. Donc il va aller. Bon, on va déjà en mettre un là. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est très moche, hein. Non, 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 non. Absolument pas celui-là. Voilà. Alors comme j'en veux pas en planche, on va tout de suite faire des bâtons. Et ben donc on a bien fait de prendre l'autre bois. Déjà en prendre 32. On verra un petit peu selon ce dont on a besoin. Et. Ouais, c'est pas la folie, hein. J'ai presque envie de mettre des bûches. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt bûches. Faut essayer, hein, toujours pareil. Il faut essayer. J'ai une bestiole ou. Oh, c'est un scorpion, c'est bon, c'est pas très grave. Alors, est-ce que si je mets comme ça me parle? Oui, bah oui, on fera avec. Se mettre au-dessus, on va gagner du temps. Voilà. Bon, j'ai de la chance, ma petite famille est tranquille. Ensuite, on va faire un. Ouais, alors là, par contre, on va prendre de la planche simple. On va faire une petite accroche avec un cube de terre. On va mettre de la planche ici. Voilà, on va faire un truc assez haut quand même. Voyons voir, voyons voir. Touk touk. Voilà, on va sauter en essayant de pas, voilà, se faire mal. J'en ai oublié. Voilà, donc on ne fait que l'intérieur. Ah bah oui, voilà, comme ça. Logique, logique. Et donc là aussi. Et ah non, là ça recouvre. J'ai peut-être fait une toute petite erreur. On regardera ça de haut. Je vais déjà recouvrir de toute façon. Et bah, je vais pas le fermer en fait, hein, je pense. C'est vraiment un abri de fortune. Bon, je suis pas sûr que ça soit joli en fait, hein. Mais je m'en fous. Voilà. Alors là, forcément, il n'y a pas grand-chose. On va mettre un feu de camp. Et je veux voir ce que je m'en rappelle plus. Donc, campfire. Oh là. Avec les bonnes lettres, ça ira mieux. Donc, il y a ce genre de camp-là. Ouais. Celui-là, il faut un briquet. Non, non, bah, il va falloir un camp comme ça. Je suis pas sûr d'ailleurs d'en avoir. J'en ai peut-être un sur moi, tiens. Passe-moi, je le sacrifie. Non. Il va falloir que je le fasse. Et pour ça, il faut que je fasse cuire de la pierre. À moins que j'ai un briquet. J'ai pas les idées fixées, mais. Voilà, le petit bug du mode campeur. Alors, voilà. Le sacré apparaît toujours, hein, rien n'est perdu. J'ai pas de briquet, j'ai de quoi en faire, mais ça m'embête de. Je peux refaire du fer, c'est pas un. Avec l'alchimie, je peux en refaire facilement, c'est plus une limitation du tout le fer. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là, voilà mon briquet. Alors, on va le. Je mets d'ailleurs une table de camping, je vais en mettre une.
Une table de camping, qu'est-ce que je raconte? Une table de craft. On va en mettre une là. Alors il va me falloir donc voilà. 3 gravats, 3 bâtons comme ça, et au milieu donc ça. Ce sera un feu de camp qui sera toujours actif. Donc je vais le mettre. Ouais, alors il faut pas que je. Bah là. Voilà. Il va être toujours actif. C'est-à-dire que celui-là ne sert pas à cuire. Alors attention. On peut, voilà, se faire brûler. Hein. J'espère que je vais pas mourir quand même bêtement avec. Non, c'est bon. Et mon armure, ouais, ça va y encore correct. Alors, on va se faire un four, bah, simplement pour le laisser là, à disposition, hein, comme si d'autres gens pouvaient venir, effectivement. Voilà. Et on va faire peut-être même un petit panneau, ce serait pas mal, pour dire que. On va mettre ici, donc là, bienvenue, cet abri, a été construit par Ubucraft, les bisons sont une espèce en voie de disparition. Cet enclos les préservera. Voilà, petit message lambda, hop, voilà, et on laisse comme ça. Et bon, voilà, sur un abri, tout ce qui est de plus basique, hein, vraiment. Voilà. Vous aimerez pas, je m'en fous. Alors oui, il y avait peut-être un petit bug de. Non, j'ai pas l'impression. Ou alors c'était là et j'ai l'impression d'avoir chevauché. Non, c'est bien. Donc j'ai fait ce que je voulais. On va ramasser un petit peu tout ce qui peut l'être. Ouais, donc j'ai encore des tables de craft. Je vais pas m'en refaire, bien entendu. Voilà, un arbre a poussé tranquillement. Le blé, ça par contre, faut récupérer. Puis surtout les graines. Et puis donc je vais. Bah, je vais en laisser aussi, voilà, preuve de trace de mon passage. Je garde quand même une graine avec moi. Le thé. Ah ouais, mais là si je le prends, j'ai vraiment peur de ne pas le récupérer. Ce qui m'embêterait. Bah, l'arbre, on va laisser aussi du coup. On va laisser les petites traces de notre passage. Et même l'abri, hein. Je vais regarder si j'ai. On va laisser dans le coffre le truc dont on n'a pas besoin. Genre la pierre rouge. Bah, l'excédent de pouce, on ne le prend pas non plus. Et on va être nouveau rempli, hein, comme des sacs. Bon, voilà, une graine, oui. Voilà, et puis on va bientôt se laisser. Voilà, les pousses d'arbres sont rangées, et puis le reste, bah, tant pis, je le garde comme ça. Voilà, le bois, tout ça, oui, de toute façon, je peux pas tout prendre. Qu'est-ce que j'ai regretté dans le coffre? Oh, pas grand-chose, la viande de zombie, non. Ah, le cuir, je ferais bien de le garder. Je me suis quand même assez battu pour en avoir. Du thé, oh, j'hésite. Grapes, de laitue, lix, du poireau, je pense. Cabbage, c'est du chou. Ou de la salade, du chou. Tomate, fraise, orange, ça, je pourrais en manger un petit peu. Tout ce qui est immédiat. Slime ball, tiens. Oh, je vais la prendre, mais bon, si j'ai pas de place, j'achèterai. Hein. Voilà, bon, les escaliers, on s'en fout. On va refaire juste le plein, voilà. De terre, la pierre, je me demande si on peut pas transformer ça en pierre. Non, tiens, j'aurais cru. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé. Alors, est-ce que je reprends ce four-là? Ah, ça, oui, bien sûr. Alors voilà, ça, on va le ranger. Ce four-là, quand même, là, j'en ai besoin, faut pas déconner. Ça aussi, et éventuellement ça aussi. La table de craft, du coup, je la reprends. Il y en a une dans l'abri. Bon, j'en ai deux. Quel besoin de la reprendre? Et puis, voilà, on va s'enfermer et on repartira pour le prochain épisode. Voilà, on est un tout petit peu avant la nuit. Je vous montre ici. On va pas boire, non, on va rester comme ça. Voilà.
Et donc on se laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que le son sera bon. Je le saurai ben donc une fois que cet épisode aura fini d'encoder. Voilà. Bisous. Ciao, ciao.